crache. Ça, c'est la première fois que je l'ai vu dans un vestiaire en Angleterre. Il est arrivé dans le vestiaire, il a craché, il est reparti. Son chewing-gum. Ouais, mais c'est pas grave. On crache pas. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. Do not be mistaken. Ne vous y trompez pas. It's not about who was last. Il ne s'agissait pas de savoir qui serait le dernier. It's all about who's next. Mais bien qui est le prochain. Et vous le voyez au fond, Elimination Chamber, c'est dans 10 jours, dans 8 jours devrais-je dire d'ailleurs. Oh! Boston se lève comme un seul homme, voici celui qui a fait tomber le roi dans la cage au Super Showdown. Aiguisé comme une lame, watch comme un couteau, chopé comme une flamme et puissant comme un fusil, garçon. Roman Reigns. C'est le cercle des vainqueurs en ce début de SmackDown. Comment dire, on a là que les superstars qui s'en sont sortis soit avec une ceinture, s'en sont sortis soit avec une victoire, d'une cage par exemple, pour Roman Reigns. Moi je dirais plutôt, c'est le cercle de la popularité disparue. Très bien. Deux superstars extrêmement controversés. Alors carpe diem. Ah d'ailleurs j'ai mangé de la carpe hier. Oui. C'est pas mauvais. Oh, et le regard ne trompe pas, les yeux du Big Dog rivés sur le champion, mais peut-être plus encore sur ce titre de champion universel. Quel début de show, quel samedi soir pour vous. Et très heureux de vous présenter certainement un SmackDown qui va rester dans vos mémoires pendant plusieurs semaines. Car on annonce de grosses surprises ce soir. On annonce aussi de gros retours. Oh oui. Oh oui. Si vous voyez ce que je veux dire. On l'a tous compris. Oh, mais, c'est retour vers le futur. Hein. Ce soir à SmackDown entre Goldberg et... En tout cas, la tension, hein, L-A-T-E-N-S-I-O-N, est là. La tension aussi, hein. Attention parce que ça risque aussi de dégénérer. Personne n'a oublié que le 22 octobre 2018, Roman Reigns avait dû abandonner son titre. Mais plus important encore, il avait dû mettre sa carrière entre parenthèses lorsque la leucémie était venue frapper à la porte. Remis aujourd'hui, j'en suis sûr, il veut récupérer cette ceinture et il veut redevenir champion universel. Ça peut durer longtemps. Ah, mais ça ne nous dérangerait pas. Un tel face-à-face entre deux immenses superstars. Je suis le suivant. Simple, efficace, direct. Voilà, comme ça, il n'y a plus de questions. Oh, oui. Ah, mais dites-moi. Oh, oui. En termes de... Hey, aujourd'hui, pour vous, Christophe...